Qu'est-ce que
tu as pris comme thé? Eh bien, c'est du thé vert. J'espère que vous allez aimer. Oh. Et il est parfumé à la gingembre. Je crois qu'il conviendra bien à Cathy. Moi, le thé. Merci. Ça m'énerve. J'ai dû te t'en prendre. Vous ne devez pas en prendre. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je dis ça, c'est pour votre bienveillance. Après tout. Quoi? Et toi aussi, Hélène, tu prends du thé? Bonjour. Habituellement, tu fais comme moi, tu prends de la tisane. Aujourd'hui, j'ai envie de thé. Même si ça te fait mal? Même si ça me fait mal. Tu ne te plaindras pas si, après, tu tombes malade. Et bien sûr, je serai forcée de te soigner. Tu n'as pas pensé à cela, je suppose. La garde malade, c'est moi. C'est toujours moi. Oh, j'ai oublié les petites serviettes. Excusez-moi, je vais les chercher. Je suppose qu'Hélène te soigne elle aussi quand tu es malade. Oh, mais moi, je ne suis pas malade souvent. Je suis solide comme un roc. Ça, ce n'est pas vrai. L'an dernier, tu as eu un rhume, une crise d'asthme. Un panaris. Hélène était obligée de te couper ta viande en petits morceaux. Parce que toi, tu ne pouvais pas. Oui, bon, effectivement. L'année dernière, je n'ai pas eu de chance. Et l'année d'avant, non plus. Je n'ai rien eu l'année d'avant. Ah oui? Alors, c'était quand ton appendicite? Oh, ce n'était qu'un mal de ventre. Mais on a tout été au courant. Tu parlais même de te faire opérer. Hélène était obligée d'aller courir toutes les pharmacies pour trouver des remèdes miracles que tu sollicitais auprès de tout le monde, sans même savoir d'ailleurs s'ils étaient appropriés à ton cas. Quand on est malade, on est malade, voilà. Bref, tu es comme nous toutes, tu es malade quelquefois, et chaque fois c'est Hélène qui te soigne. Mais qui voudriez-vous qui me soigne si ce n'est Hélène? Et tu as les moyens de te payer une infirmière? Une infirmière, pas comme tu y vas. Nous vivons ensemble, je suis malade, Hélène me soigne, Hélène est malade, je la soigne. Et dis donc, ton ami attend toi. Hein. Dis-moi, tu ne me sers pas? Bien sûr que si. Il me fait la fête quand je vais les voir. Mais
Et tu y vas souvent chez Solange? Non, pas souvent. Et pourquoi tu y vas? Pour Solange ou pour son mari? Tu vas pour même pas faire quoi? Et tu y vas pour le chien? Tu es méchante! Pourquoi tu insinues une chose pareille? Parce que je te connais. Et que si Solange n'est pas parmi nous, c'est justement parce qu'elle n'a pas envie de te revenir. Ton comportement est inadmissible. Mais, Diana, tu ne vas pas dire que Cathy a eu une aventure avec le mari de Solange. D'accord, mais c'est une vieille histoire. C'est fini depuis longtemps. Mais alors, si c'est fini, pourquoi tu y retournes? Par politesse. Et Solange est au courant de ton aventure avec son mari? Je ne crois pas. En tout cas, je ne lui ai pas dit. Elle a peut-être deviné. Tu es inconsciente, Cathy. Tromper une de nos meilleures amies. Mais je comprends maintenant pourquoi elle s'est éloignée de notre groupe. C'était forcé. Je vous assure qu'avec Georges, nous prenons des précautions. Oh. Ah, parce que tu veux dire que ça continue, qu'avec Georges, vous continuez à... C'est fini, oui, mais quand Solange n'est pas là, on en profite un peu. Cathy, tu es écœurante. Ah, je suis d'avis de prendre du bon temps quand on peut. Ah, je savais que tu n'avais aucun sens moral. Mais là, tu dépasses les bornes. N'est-ce pas, Hélène, qu'elle dépasse les bornes? Je ne sais pas. Personne ne sait. Marie, dis plus rien. Oh. Ça n'est pas dans ses habitudes. Oh, Marie, qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'en penses-tu, Marie? Elle devient sourde. Mais pas à ce point, quand même. Mais elle semble endormie. Marie. Mais tu dors? Oh, Marie, tu dors. Marie. Oh, mon Dieu. Elle a mal à l'aise. Pourquoi tu crois que la médecin? Ce n'est pas la peine. Elle est morte. Je vous dis qu'elle est morte. Oh, mais tu l'as empoisonnée? Oui. Mais elle ne m'embêtera plus. Fini. Oh. Fini. Je vais enfin pouvoir vivre. Mais vive, si l'on peut dire que la police, qui a pensé à la police, ils vont faire une enquête. Ils font des analyses. On sera tout inquiétés, même nous. Ils croiront qu'on est complices, c'est possible, après tout. Oh, mon Dieu. Avec toutes les avanies que Marie lui faisait subir, ça ne m'étonne qu'à moitié. Oh, elle l'a cherché. Je l'aimais bien, Marie, moi. Ben, si tu avais vécu à ses côtés, tu aurais peut-être changé d'avis. Un enfer, j'ai vécu. Un enfer. Et alors, on n'appelle pas un médecin? Mais il faut d'abord s'entendre. Mais à propos de quoi? À propos de ce qu'on va dire. Eh ben, on dira la vérité. Et la vérité accuse Hélène. On ne peut pas laisser accuser Hélène. Pourquoi? C'est une criminelle. Elle a des circonstances atténuantes. Oui, d'accord, mais c'est pas à nous d'en décider, c'est au jury. Mais il faut d'abord que nous parlions, et puis il faut effacer les traces. Oh mon Dieu. Hélène, tu vas porter la tisane dans la cuisine et rincer sa tasse et la théière. Parce que je suppose que tu avais mis un produit dans la tisane. Ben oui. Ben alors fais comme je te dis. Si elle l'avait dit, si elle vous avait surpris et qu'elle n'ait rien dit,
Cathy, tu es aussi coupable qu'elle est. Tu empoisonnes la vie de Solange par ton existence même. Alors là, tu exagères. Elle est curieuse, ta justice. Et j'avoue qu'il y a du vrai dans ce que tu dis. Alors, d'après vous, je serai plus coupable qu'Hélène parce que je me suis donné du bon temps avec Georges. Mais Georges est aussi coupable que moi. Oui, mais Georges n'est pas ici, toi tu y es. Alors quoi, vous allez me condamner? Je ne sais pas. Peut-être. Et Hélène, vous oubliez? Moi j'estime qu'elle est plus coupable que nous, que moi. Non. Moi j'estime qu'Hélène est moins coupable que Cathy. Ben, je vais téléphoner. Je veux savoir. Mais tu veux savoir quoi? Je veux savoir si Marie n'était pas morte. Si elle était seulement malade, d'après toi, Diana, qui serait la plus à blâmer? Oui, d'accord, Cathy, tu as raison. Alors, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle est sans tâche. Ben, je vais appeler Solange. Mais pourquoi? Parce que je veux savoir. Mais tu veux savoir quoi? Je veux savoir jusqu'où va l'ignominie de Cathy. En d'autres termes, je veux savoir si Solange est au courant. Solange, c'est moi. Rose, on t'attendait ce soir. Pourquoi n'es-tu pas venue? Je comprends bien que tu aurais tes raisons. Mais quand même, à vrai dire, il s'est passé un événement grave. Oui, oui, il te concerne. Il nous concerne toutes. Et ici, ben, il y a Hélène, Marie, Diana. Oui, Cathy aussi est là. Ben, tu veux dire que c'est du fait de la présence de Cathy que tu n'es pas venue? Oui, oui, nous savons, nous lui avons dit, c'est la raison pour laquelle nous aurions besoin que tu viennes. Tu ne veux pas t'expliquer avec elle seule, mais il n'y a pas que ça. Nous avons autre chose sur les bras. De quoi il s'agit? Ben oui, la Hélène, la pauvre Hélène, s'est vengée. C'est difficile à dire au téléphone. La seule chose que je peux te dire, c'est que je ne peux pas te passer Marie au téléphone, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, elle est malade, très malade. On t'attend. On jugera Cathy. Comment ça on jugera Cathy? Mais qui êtes-vous pour juger les gens? Je refuse d'être jugée. Et alors? Non. Tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin, là? Non. J'ai assez vécu pour savoir. Tu veux qu'on se constitue en tribunal pour juger deux de nos amis, deux des nôtres? Pourquoi pas? Et si je ne veux pas? Alors, tu appelles la police tout de suite. Ou ce qui revient même, un médecin. Oh, mais tu me fais peur, quelle détermination! Elle l'a dit. Oh, Solange, je la connais. Elle est lâche. Elle ne viendra pas. Elle a peur de la vérité, elle a peur de moi. Elle sait que je suis là? Oui, elle le sait. Ah, elle vient quand même? Oui. Ah, je me demande comment tu as pu la convaincre. De toute façon, elle ne me fait pas peur. C'est elle qui a peur de moi. Ce n'est quand même pas ma faute si son mari va séduire. Parce que tu estimes que tu n'y es pour rien. Ce sont les hommes qui prennent les initiatives. Oui, et ce sont les femmes comme toi qui les poussent à commettre les pires horreurs. Tu prends plaisir à exciter tous les hommes. C'est le jeu, non? Alors toi aussi tu es contre moi. Ça ne m'étonne pas. Tu caches bien ton jeu, toi, hypocrite. Et si Solange n'est pas parmi nous, c'est justement parce qu'elle n'a pas envie de te rencontrer.
ton comportement est inadmissible. Je vais mettre ce coussin sur l'ange de l'arrivée. Cathy, aide-moi. Parce que tu en avais assez de tout faire dans la maison, de me soigner, de me servir, de supporter mes reproches, mes sarcasmes. Je ne manquais jamais une occasion de t'humilier et tu en avais assez. Ça a duré 20 ans. Tu as supporté tant que tu as pu, et ça faisait longtemps que tu l'avais décidé. Je le savais d'un temps, je savais que je le ferais un jour où elle m'aurait vexée devant tout le monde. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas pu résister. J'ai mis le poison dans la tisane. Je suis tellement heureuse d'avoir eu le courage de le faire. Merci, Hélène. Diana, à toi. Tu ne me feras pas croire, Hélène, que tu n'aimais pas ta sœur. Mais non, je ne l'aimais pas, mais pas du tout. Mais c'était ta sœur. Elle aurait dû être ton amie.
Elle n'a jamais été mon amie. Elle me disait sans cesse que j'étais laide, que j'étais maladroite, que je n'étais pas intelligente, que je ne pouvais rien comprendre, que je ne savais même pas jouer au bridge, parce que je n'avais rien dans la tête. Mais elle te protégeait. Pas du tout. Quand il y avait du danger, elle s'abritait derrière moi. Elle prétendait être faible. Mais tu mangeais à sa table. Elle prenait toujours les meilleurs morceaux. Mais la maison était à elle. Non, à moi. Mais elle disait que la maison était à elle et qu'elle t'acceptait par charité. C'était le contraire. Tu veux voir les papiers? Non, je te crois. Il faudrait lui demander si elle regrette. J'ai entendu, Solange. Non, je ne regrette pas. Je me félicite, au contraire, d'avoir eu le courage de le faire. Je suis contente. Je vois. Tu vas te retirer dans la cuisine, Hélène. Nous allons délibérer. Nous n'en aurons sans doute pas pour longtemps. Elles ne seront pas compte de ses actes. À mon avis, elle est folle. Il est indéniable qu'elle a subi durant des années, des souffrances indescriptibles. Elle est plus attamée qu'à punir. Si nous étions un peu jolis, moi j'habiterais. Moi aussi, je crois que c'est ce que je ferais. Et toi, Rose? Moi, je donnerai mon opinion en tant que présidente quand la deuxième accusée sera passée en jugement. C'est moi l'accusée? Vous me faites rire, chacun est libre. Et si j'ai couché avec Georges, je ne m'en repens pas, il n'est pas lieu de m'en plaindre. Ni lui non plus d'ailleurs. Tu parleras lorsqu'on t'interrogera. Yana, à toi. Mais oui, tu le remplis parfaitement. Je t'ai dit, allez, vas-y, vas-y. Cathy, pourquoi avais-tu jeté ton dévolu sur Georges? Un bel homme. Mais tu savais qu'il était marié. Et alors? Ça n'empêche que c'est un bel homme. Et bien monté avec ça. Ouais, mais t'es sordide. Et tu le rencontrais souvent, Georges? Le plus souvent possible. On faisait ça chez lui quand Solange n'était pas là ou quand on croyait qu'elle n'était pas là. Et aussi chez moi quand il pouvait se libérer. Et Solange? Tu as pensé à Solange? Elle n'avait qu'à se trouver à notre homme. Et que crois-tu qu'elle y ait pensé quand elle a découvert que son mari l'a trompé avec toi? Si tu crois que ça lui a fait plaisir? Si elle avait vraiment aimé son mari, elle aurait pu se réjouir de savoir que j'avais pris du plaisir avec moi. Tu n'as vraiment aucun sens moral. Tiens, tu te réveilles enfin. Je ne sais pas ce que c'est que ta morale. Moi, je respecte la vie. Je jouis de la vie. C'est ma seule règle. Parce que tu ne t'estimes pas coupable. Non. La seule coupable dans l'affaire, c'est Solange. Si elle avait été davantage attentive, davantage attentionnée auprès de Georges, peut-être ne serait-il pas venu me chercher. Peut-être n'aurait-il pas soulevé mes jupes. Mais Solange l'a ignoré. Quand je venais chez eux, moi, je me pomponnais, je me maquillais, je me coiffais. Solange était là, le tabac, les ongles noirs parfois. Cette femme n'est appétissante que quand elle sort de chez elle. On la voit passer dans la rue et on dit « Oh, que cette femme est élégante !» Mais chez elle, elle n'est rien de tout ça. Et moi, à côté, j'étais resplendissante. Elle ne s'en est pas rendue compte au début. Après, c'était trop tard. Georges, le poisson, avait mordu à l'hameçon. Oui, merci, Cathy. Tu vas rejoindre Hélène dans la cuisine, nous allons délibérer. Nous sommes entre nous. Prenons le cas d'Hélène. Elle est coupable, mais elle a des circonstances atténuantes. C'est bien mon avis aussi. Et toi, Rose? Je suis de votre avis. Alors, que faut-il faire? Il faudrait
connaître le poison, la nature du poison qu'Hélène a utilisé. Il y a peut-être un moyen de faire passer ce meurtre pour une crise cardiaque. Alors, on lui demandera. Hein, passons à Cathy. Bon, allez, coupable, messieurs. Si elle est coupable, tu n'es pas sans avoir ta part de responsabilité. Elle ne te l'a pas envoyé dire. Hein. Vous voyez, je crois que si pour Hélène, j'ai été toute indulgence, pour Cathy, je le suis moins. Heureusement. Si nous étions à vrai jour, que ferions-nous? Quelle est la sentence que nous rendrions? La mort pour Cathy. Mais quand tu y vas, dans ce cas-là, il faudrait te condamner toi aussi. Et pourquoi, s'il te plaît? Pour ne pas avoir su garder ton mari. Mais vous êtes folle. Et puis, je suis bien bonne de vous écouter. Et là, la première meurtre, il faut appeler un médecin et la police. Mais toi-même, tu avais trouvé qu'elle avait des circonstances atténuantes. Ah oui, mais... Solange, tu vas être contente. Pourquoi que s'est-il passé? Cathy a bu le reste de la tisane. Oh. Et alors, elle est comme Marie, elle est allongée sur le plancher de la cuisine. Et je n'ai plus poussé le confortable à mettre sur ça. Ah, c'est Tu m'avais demandé de tout dire. Mais oui, oh, je perds le souffle. Je t'avais longtemps de me demander de tout nettoyer. La tasse et la théière. Oui, mais je l'avais gardé un peu pour moi. Cathy a pris ça pour un reste de thé que j'aurais mis dans le frigidaire. Oh non. Oh, à propos, il n'y a plus de thé. Mais c'est affreux! Et comme je vous ai entendu parler depuis la cuisine, j'ai pensé que je ne pouvais rien dire quand j'ai vu Cathy avec son bol de tisane froide dans les mains. Oh non. Solange, j'avais dit la mort pour Cathy. Oui. Et vous étiez tout d'accord pour dire que j'avais droit à des circonstances atténuantes. Alors, j'ai fait d'une pierre deux coups. Oh non. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais plus. Oh là là, je suis atterrée. Oh là. Je dois dire que c'est là un coup du sort inattendu. Cathy, je sais bien, elle méritait une punition quelconque. Je ne sais pas quoi, mais enfin, on aurait fini par trouver. Mais quand même. Ah, j'en ai le souffle coupé. J'ai eu envie de lui dire quelques matisanes, mais il la trouve tellement bon que j'ai étalé le cœur de la découvrir. Elle est morte tout de suite. Oh, elle ne s'est rendue compte de rien. La belle mort, quoi. C'est Georges qui va la regretter. Tu étais au courant? Bien sûr, par Georges. Comment ça, Georges? Mais c'est tout seul. C'est lui qui m'a fourni ce qu'il fallait pour mettre dans la tisane. Mais il savait ce que tu voulais en faire? Oh oui. Et il n'aimait pas Marie non plus. Hein. Et moi, je n'aimais pas Cathy. Mais elle t'avait rien fait, Cathy. C'est vrai. Mais elle m'avait pris Georges. Je ne peux pas dire que Georges est mort. Oui, mais c'était avant Cathy. Et nous avions conservé de bons rapports, Georges et moi. J'étais sa confidente. Mais Marie était au courant? Bien sûr, parce qu'elle était jalouse. Oh. Mais tu veux dire que Marie était jalouse de toi? Mais bien sûr. Oh. Oh. Marie était jalouse de toi? C'est le ciel, elle en a tombé sur la tête. J'ai éliminé deux concurrents dans la même journée. Pas mal, non? Alors là, je crois que nous allons faire appel à la police. Hein? Oui, oui. C'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais les appeler immédiatement. Ah non. Quoi? Attends encore un peu. Je ne crois pas que cela soit nécessaire. Vous avez dit que je n'étais pas coupable, ou du moins que j'avais droit à des circonstances atténuantes. Oui. Oui. Mais j'ai pensé à l'éventualité où l'on dirait coupable. Oui. Et alors qu'as-tu fait, malheureuse? Rien encore, mais cela
cela dépend de vous. Mais explique-toi. C'est quoi, Rose? Rose, tu savais la vie que me faisait mener Marie. Et tu n'as rien fait. Oh, tu n'as non plus, tu n'as rien fait. Et pourtant, toutes les deux, vous saviez. Vous saviez combien j'étais torturée. Tous les jours. Et devant tout le monde. Oh, bien sûr. Vous avez dit qu'un comme moi, on m'a fait rire de temps en temps. Mais en réalité, vous vous en moquiez. J'ai servi Marie et Marie me faisait vous servir. Et vous étiez bien contente de cet arrangement. Bien contente. Non. Et moi? Et moi, je souffrais sans pouvoir rien dire. Combien de fois j'ai estimé que vous étiez les pires. Combien de fois? Et quand Georges s'est intéressé à moi, j'ai cru qu'il allait me soutenir contre Marie et aussi contre lui. Il allait le faire quand Marie d'abord et Cathy ensuite se sont interposées et je suis restée seule! Georges, je le rencontrais quand j'allais faire des courses. Il était toujours content de me voir. Mais il avait Cathy et cela lui suffisait. Moi, je ne comptais plus pour lui, plus du tout. Mais il me rendait des petits services en me fournissant des poursignes pour ça. Vous pensez, il est pharmacien. C'est bien ça? C'est lui qui m'a aidé. Brave Georges. Et alors? Tout ça, ça veut dire quoi? Ah ben, tout ça veut dire que le thé aussi. Oh, le thé aussi? Le thé aussi. Oh, le thé aussi. Oh, ça veut dire que tu as empoisonné le thé également? Oui, mais la dose est moins forte. Alors ça va prendre du temps. Et enfin, il y a du temps, ça va se Je voulais vous dire que pendant tout ce temps-là, vous auriez pu m'aider, mais vous ne l'avez jamais fait! Jamais! Appelez la police. Mais avant, je voulais te demander. Oh.
La poudre, elle est mortelle ou pas? Comment ça dépend? Mais elle est mortelle ou pas? Tu ne sais pas. Mais tu te fiches de moi, ma parole. Existe-t-il un antidote? Mais dis-le-moi, dis-le-moi. Tu ne veux pas. Oh, et alors tes complices d'élèves, je vais te dénoncer à la police. Oh, comment? Pas le temps. On verra. Oh, 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 Solange, appelle la police. J'ai plus la force. Moi non plus. Je vous ai dit. Ne vous inquiétez pas, je l'appellerai la police, moi. Je l'appellerai quand tout sera fini. Ils ne pourront que constater. Georges, tu es encore là? Georges, mon chéri. Oui, tout s'est passé comme tu avais dit. Marie d'abord, Cathy ensuite, puis Rose. Oh. Diana ne vaut guère mieux. Solange est juste. Elle n'a peut-être pris qu'un demi-gâteau. Mais je te crois si tu dis que cela suffit. Alors, Georges, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui? Oui, je comprends. Je comprends, Georges. Je crois qu'il en reste encore un peu dans la tasse de café. Georges, mon chéri, je suis heureuse puisque tu me dis que je suis la seule que tu aies vraiment aimée. Ni Rose, ni Diana, ni Solange, ni Cathy, la seule. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais plaisir. Je crois que je vais avoir ton image devant les yeux pour toujours. Mais quelle heure est-il? Oh, mais c'est l'heure de ton apéritif, n'est-ce pas? Oui, je te vois. Assis à ta table, le verre en main, un verre mocassis, n'est-ce pas? Bien sûr, je sais, tu as tes habitudes. Alors, tu as bu? C'était bon, n'est-ce pas? Je ne te dirai jamais assez merci pour le tour que tu leur as joué à ces dames. Alors, ce verre moule cassis, à propos, je te signale que j'avais mis un peu de poudre dans ton vermouth. Ce n'est pas la peine d'être aussi grossier.
Merci. Je voudrais juste vous présenter, si vous ne la connaissez pas encore, la troupe de la Ronde de Bruxelles, qui n'est pas au complet ce soir, car nous allons étoffer un peu sur la troupe. Alors pour ce soir, Martine Le Poirec. Bravo! Bravo! Merci, Siliani. Bravo! Bravo! Thank you.